Beaucoup d'entre vous le savent, en astro, lorsque vous achetez du matériel, immanquablement s'ensuit une période d'intempéries, vous ne pouvez jamais tester ce que vous venez d'acheter. Pour ma part, je viens d'acheter un filtre solaire. Le visage de la tempête Amélie qui est en train de s'approcher de la façade atlantique ce soir. L'océan est de plus en plus agité, les bourrasques de plus en plus fortes. Ici sur le front de mer d'Arcachon où la mer est complètement démontée, et je ne sais pas si vous le voyez. Désolé, je pensais pas que ça allait prendre tant d'ampleur. Et Philippe, il l'a pris son C14? Non, il l'achète lundi prochain. Oh putain, ça va chier. Salut les astros, c'est Ludo. Alors un épisode aujourd'hui dédié au transit de Mercure qui a lieu donc le 11 novembre. Mais pour ça, nous allons revoir quelques bases. Donc la Terre tourne autour du Soleil sur son plan, on va dire notre référentiel, qui s'appelle donc l'écliptique. Donc Mercure également tourne autour du Soleil, mais sur un plan incliné, 7 degrés. Donc par deux fois, elle vient à croiser donc, le plan de l'écliptique. Donc ces deux points sont, on les appelle les nœuds. Alors il y a un nœud ascendant, suivant si la planète elle monte sur son orbite, ou descendant si elle descend. Donc si la Terre est bien positionnée à ce moment-là, eh bien on peut voir donc Mercure passer devant le Soleil. Que je crois que c'est aux alentours du mois de mai pour le nœud ascendant et mois de novembre pour le nœud descendant, voilà ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc on peut prendre cet événement en photo, c'est-à-dire le transit, le passage de Mercure devant le Soleil. Mais bien sûr, pour prendre le Soleil en photo, il faut s'équiper. Donc pour l'événement, j'ai acheté un filtre solaire, un Explore Scientifique Suncatcher. Explore Scientifique vous présente le dernier Suncatcher Large Aperture Solar Filter. ISO 12312-2. De 7 à 12 apostrophe apostrophe. Une feuille spéciale pour une utilisation parfaite. Il vous offre une image magnifique. Une merveille de technologie en carton. Et en mousse. Parfaitement adapté pour photographier le soleil. Explore Scientifique Suncatcher, un filtre qu'il est bien pour regarder le soleil. N'importe quoi. Donc il en existe de toutes sortes, hein, vous pouvez apposer. Donc celui-ci, c'est un filtre où la feuille est déjà mise dans un carton et vous avez les mousses que vous venez coller et couper en fonction du diamètre de votre télescope. Alors, voilà, donc il est valable pour les instruments de 7 à 12 pouces. Alors n'essayez même pas de pointer le soleil sans filtre solaire, c'est danger de mort. Bon, j'insiste un peu sur le fait parce que malgré tous les avertissements que vous pouvez avoir, il y a quand même des accidents tous les ans, des gens qui s'amusent à regarder le soleil. Voilà. Déjà, même avec un appareil photo, faut pas le faire, à moins de fermer quand même son diaphragme. Vous ouvrez pas à 1,4 sur le soleil, hein. Ça c'est, vous allez niquer votre capteur. Enfin, donc depuis le passage de la tempête, moi c'est simple, il pleut tous les jours, tout le temps, ça n'a pas le temps de sécher. Et même entre deux pluies, une averse arrive à se glisser et donc c'est toujours trempé. J'arrive pas à sortir le télescope pour vous faire voir sur le terrain comment je procède. Donc de plus, ce week-end je ne suis pas là. Donc lundi je ne pourrai pas être présent pour le transit, encore moins le prendre en photo. Donc je compte sur vous pour faire de belles photos du transit. Alors j'espère que du côté de chez vous, il n'y a pas eu trop de dégâts, surtout pas pour ceux qui ont des postes fixes, je sais que ça a quand même soufflé beaucoup, 160 km/h au Cap Ferret, ici on a eu 110-120, donc voilà, j'ai un tabouret dehors qui est tombé quoi quand même. Donc il existe plein de filtres solaires différents, hein. Il y en a moult. Donc soit vous achetez la feuille, et puis vous faites votre filtre vous-même, vous adaptez à au diamètre de votre instrument. Moi j'en ai pris un qui était plus ou moins tout fait, il y avait juste à couper les mousses, et puis là il s'adapte très bien. On a le filtre, comment que ça se passe pour prendre le soleil en photo? Oui, parce que finalement c'est de ça qu'il s'agit, hein. C'est de prendre le soleil en photo. C'est lourd à porter quand même. Alors, première difficulté que j'ai rencontrée, c'est de faire sa mise en station en pleine journée. Donc moi, étant donné que je mets toujours mon télescope au même endroit, j'ai plus ou moins mes marques. Donc même si
C'est pas la mise en station parfaite, hein, y a pas besoin qu'elle soit parfaite, parfaite. On va suivre le soleil, donc... voilà, ça va quoi, hein. Le moteur suffira, du moment que vous êtes bien aligné, que le soleil il part pas, généralement, ça va, ça suit bien. Donc la mise en station, à peu près. On va mettre le filtre. Alors, on met le filtre. Donc l'avantage celui-ci avec la mousse, c'est que ça le cale plutôt bien, il risque pas de s'envoler. Ah oui, alors ça, faites attention. Qui risque pas de s'envoler, un coup de vent, un truc comme ça, vous êtes en train de regarder, le filtre tombe, c'est la mort. Attends, rajoute pas un peu quand même. Mais je veux vraiment qu'il fasse attention quand même. Oui, mais parce que c'est dangereux, c'est très très dangereux. Donc mon filtre est en place. Alors ensuite, donc j'ai mis un oculaire, et puis donc je me suis amusé à trouver le soleil. Donc trouver le soleil, on croit que c'est facile. J'ai un peu galéré, je sais pas pourquoi, j'ai dû mettre moins 10 minutes à trouver le soleil. La mise au point n'était pas faite, j'étais complètement défocalisé, donc il a fallu que je tourne un petit peu le tube voilà, en visu pour essayer de trouver le soleil. Bon, ça se fait quand même, hein, on le trouve. Donc j'ai déjà profité un petit peu de l'observation, parce que c'est la première fois que j'utilisais un filtre comme ça. Et puis bon, le soleil c'est quand même pas mal à regarder, c'est on va dire une astronomie vivante, hein, c'est-à-dire qu'il se passe des choses. Bon, là, moi, j'ai regardé, il n'y avait rien, il n'y a pas de tâche, il n'y a rien du tout. Donc, j'ai par la suite mis mon APN dessus. Donc, une fois que j'avais mis l'APN avec le Live View, bien évidemment, il a fallu refaire la mise au point, le retrouver, parce que ça zoomait un petit peu plus que mon oculaire. Donc, autre moment de galère, mais avec la raquette droite-gauche, hein, on fait en tourbillon, là, et on arrive à le retrouver. Je me suis amusé, donc ISO 100, hein, bien sûr, on ne va pas monter les ISO, donc ISO au minimum, je crois que certains ont ISO 50. ISO 50, c'est très bien. ISO 100 pour les autres. Et puis après, vous jouez avec la molette et puis les prises de vue, donc un dixième, un cinquantième, un soixantième, un centième. Et puis vous voyez, donc bien évidemment, pour ceux qui ont un diagramme, vous pouvez avoir les courbes lorsque vous faites info sur le live view. Et vous voyez si vous êtes cramé ou pas cramé. Bien évidemment, il ne faut pas cramer l'image, parce que si vous cramez l'image, vous n'avez aucune information dans le soleil. Et donc là, le transit, vous ne le verrez pas. Donc je crois que ce 1/60e, c'était très bien. ISO 100, 1/60e. Donc je vous ferai voir les photos par la suite. Alors lorsque j'ai acheté le filtre, j'ai demandé s'il était simple de faire la mise au point sur le soleil. On m'a dit oui, c'est très 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 simple. Bon, je n'ai pas trouvé que c'était très très simple. Donc en zoomant en live view x10 sur le soleil, enfin, en tout cas sur un des bords, vous vous rendez compte que le soleil, il n'a pas des bords nets. Hein, c'est pas une planète. Donc bon, en titillant, on arrive quand même à avoir un résultat assez convenable. J'ai fait quand même des prises de vue avec le 80D et par la suite j'ai voulu utiliser le défiltré. Je sais pas où il est. Alors quel est l'intérêt de prendre des photos avec l'appareil photo défiltré ? C'est que vous allez voir avec un appareil photo normal, donc vous avez quand même très jolie photo avec une belle boule jaune. Après, ça dépend de l'épaisseur de votre filtre. Ça peut sortir orange, gris, si on est très épais. Mais lorsque vous montez un petit peu dans les infrarouges, vous avez la texture du soleil. Vous voyez un petit peu plus les fluctuations. Alors après, au niveau des taches ou des éruptions, etc. Très honnêtement, je manque un peu d'expérience là-dessus. Donc peut-être qu'on en reparlera dans un prochain épisode quand j'aurai pu... m'essayer un petit peu plus à ces techniques-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est très intéressant de les faire aux infrarouges. Ça révèle, on va dire, une surface du soleil un petit peu différente, avec un petit peu plus de texture par rapport à un appareil photo normal. En tout cas, pour le transit, quel que soit le type d'appareil, normalement, vous verrez Mercure. Alors Mercure, je crois que le premier contact se fait aux alentours de 12h30, 12h35. Vous avez vraiment Mercure qui va toucher le soleil. 3 ou 4 minutes après, Mercure rentre dans le soleil. Vous pouvez commencer vos clichés à partir de là. Sachant que on ne verra pas, enfin en tout cas pour ma part, je ne verrai pas la fin du transit. Déjà parce que je ne serai pas là. Mais ensuite, il aura lieu après le coucher du soleil. Alors, 12h35, vous pouvez commencer à lancer les photos. Alors moi, j'avais prévu un intervalle, on va dire, toutes les 3, 4, 5 minutes. Je ne me suis pas encore décidé. De toute façon, je ne pourrais pas le faire, hein, encore une fois. Mais voilà, je pense que... 3, 4, 5 minutes, on va dire toutes les 5 minutes. Remarquez, vaut mieux en faire plus que pas assez. Et après, faire un montage où on voit toutes les mercures avec tout son passage, etc. Donc elle va se présenter à gauche, plus ou moins au centre, un petit peu en dessous, et monter
plus ou moins à 7 degrés, hein, c'est son plan, l'inclinaison de son plan orbital. Et donc après vous pouvez faire un montage avec toutes les mercures répétées tout au long, ça fait une très belle photo, en tout cas c'est la photo que j'aurais voulu faire. Alors pour ceux qui pourront faire les photos, parce que j'espère vraiment qu'il fera beau, eh ben, je compte sur vous pour me rapporter vos clichés, les partager sur le groupe Facebook ou sur Insta ou sur tous les supports que vous voulez. Mais moi je veux voir du transit, hein. Les gars, éblouissez-moi. Donc pour la partie retouche, c'est relativement simple, ça va aller vite. On va aller sur Lightroom. Donc nous voici sur Lightroom. Alors donc j'ai fait plusieurs temps d'exposition. Je vais vous mettre un petit peu donc les rendus différents que j'ai eu. Donc j'ai fait une à 0,3 secondes, on a du 1/13 de seconde, 1/60, 1/60, 1/20. Voilà, j'ai essayé plusieurs temps d'exposition. D'ailleurs la dernière est assez marrante. Je pense qu'il y a peut-être moyen de mettre deux yeux, un nez, une bouche. Voilà, bon. Voilà, donc on voit bien que à 0,3 secondes ou même 1/13 de seconde, la photo est cramée. Alors dans l'organigramme, il me dit que c'est tout juste. Là par contre c'est cramé. Donc là il dit que c'est pas cramé, tiens, c'est marrant ça. Voilà, bon. 1/60 de seconde, c'est pour moi donc la photo la plus exploitable. Donc effectivement, vous voyez que les bords sont un peu flous. Alors est-ce que ma mise au point était. Je pense qu'elle est perfectible. Bon, écoutez, on va la garder. Donc déjà, on va la recadrer histoire. Voilà, 16/9, parce que moi j'adore le 16/9. Voilà. Donc au niveau des aberrations, c'est léger, il n'y en a pas, quasiment pas. Il n'y en a pas même, on va dire. Donc on va augmenter un peu la texture, peut-être la clarté, descendre un peu les noirs pour obscurcir, augmenter le contraste. Voilà. Et puis on va baisser les hautes lumières, ça va faire ressortir peut-être un petit peu la texture du soleil. Donc là ce qu'on prend en photo, c'est donc la photosphère. Là où apparaissent les taches solaires, bon là le soleil est assez timide. Sur les taches solaires, il n'y en a pas non plus tant que ça, hein, tant qu'on veut le croire. Et lorsque vous passez sur un appareil photo défiltré, vous allez plutôt faire ressortir la chromosphère, donc côté un peu orangé avec toutes les fluctuations, les filaments, les éruptions, etc. Alors au niveau de la mise au point, je pense que ce sera beaucoup plus simple de faire la mise au point avec Mercure. Faites la mise au point sur Mercure, puis voilà, vous savez que la mise au point est faite. Donc vous avez, comme vous voyez, en fait, au niveau retouche, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors après, il y en a peut-être qui peuvent accentuer les couleurs. Moi, la couleur comme ça me va très bien. On peut réduire un petit peu les hautes lumières pour refaire un petit peu sortir l'éventuelle texture. Voilà. Voilà. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Donc 1/60 de seconde, ISO 100, et c'est tout. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment qu'il fera beau ce jour-là, parce que j'aimerais beaucoup voir les clichés que vous allez réaliser. Et donc d'ici là, bon ciel, et je vous dis à dans 15 jours. Salut !